Yes, LGB, are we having amendment? Oui, Mr. Chairman, Paris, pour propose un amendement pour ban membres qui en ont devant la loi, pour des autres la clause 2, quand il met insertion of new clause 2A. This APOESA, application of jurisprudence of civil law, this APOESA nous propose faire entrer ce qui est suivant. Insertion of new section 3A. Donc, il y a clause 3. Et tout bonne clause après, il va gagner renumbered. Et clause 3, il va aller comme suivant. The principal act is amended by inserting immediately after section 2A, capital A, the following new section. Accrued or lost rights, il va venir son head note. Et 3A, il y a valé, excuse-moi, 3A, il y a valé, 1. The repeal of the Civil Code of Seychelles Act, cap 33, does not, A, affect the previous operation of the repealed Civil Code or anything done or suffered under it, semicolon, B, affect any right, privilege, obligation, or liability incurred, accrued, or incurred, accrued under the repealed civil code unless lost under any law. A C, affect any legal proceedings or remedy in respect of any right, privilege, obligation, or liability referred to in paragraph B. A B, subsection 2, no loss of right, privilege, or obligation occurring prior to the date of commencement of the Civil Code of Seychelles Act, cap 33. Non, excuse-moi. Oui. Shall be deemed revived by the Civil Code of Seychelles Act. No loss of right, privilege, or obligation occurring prior to the date of commencement of the Civil Code of Seychelles Act, IPA cap 33, shall be deemed revived by the Civil Code of Seychelles Act. Thank you. Merci. Ou move un motion? Mon move qui, ça l'amendement, notwithstanding qui n'est pas un simple amendement, il gagne adopté après-midi. Merci, Mr. Chair. Merci. Nous gagné un second amendement. Honorable Barisol. Excuse-moi, avant. EGRB est venu. Merci, Monsieur le Chairman. Monsieur le Chairman, je suis content si l'honorable Georges a relié subsection 2. No loss of right, subsection 2. No loss of right, privilege or obligation occurring prior to the date of commencement of the Civil Code of Seychelles Act shall be deemed revived by the Act. Yeah. Second man, Honorable Barisol. Merci, Mr. Speaker. Je suis content de la seconde proposition de l'amendement menée par Honorable George. Merci. Merci. Je vais voter le second amendement. Those in favor, lève la main, s'il vous plaît. Merci. On croit tout le monde vient voter. Non? Aucun membre qui compte? Thank you. Law motion amendment to the Civil Code Amendment Bill 2021. 26 membres vote pour, 0 contre et 1 abstention. Cet amendement
in approuvé. Alors, nous sommes capables de procéder et nous retournons dans le stade de l'Assemblée. LGB, motion pour third reading of the bill as amended. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, si ça va me faire ça, permettez-moi explique avec ou bien demande permission à l'Assemblée. Il y en a un des minor amendments, c'est comme eux ici, avec un petit E par là-bas. Zotava donne nous permission en mesure qu'il nous prépare white copy pour faire signer par président, pour faire sa bonne amendement. Pareil, nous fait ordinairement. Et si, ça, si nous gagnons sa permission, pour nous patarder après-midi, n'a pas rien qui conséquent, excuse-moi. Avec sa permission, Mr. Speaker, mon en bas de 76N, mon move qui Civil Code Amendment Bill 2021, as amended, il gagne lié une troisième fois. Merci. Merci. Non, pour vote, le second amendment, please, lequel, Honorable Barisol, oui. Merci, Mr. Speaker. As amended, il gagne secondé. Merci beaucoup. Merci. Nous avons voté le third reading. Sabel, please. Those in favor, lève la main, s'il vous plaît. Merci. Mon passé ici, tout le vote. Aucun qui compte? Non. Merci. Vote le formal third reading Civil Code Amendment Bill 2021 as amended. 28 votes pour, 0 votes contre et 0 abstention. Alors, bill in passé par l'Assemblée. Et Madame Clark, third reading. Merci, Monsieur le Speaker. This act may be cited as the Civil Code Amendment Act 2021 and amends the Civil Code of Seychelles Act 2020 and the schedule to the principal act called the Civil Code of Seychelles. Merci, Monsieur le Speaker. Merci. Alors, bill in in act subject to assent. Bien, mais nous terminons ces trois bills qui devant nous. Je remercie les autres pour un long travail et je remercie VP avec AG pour votre participation. Nous gagnons les autres pour la journée entière, mais seulement bonne fin d'après-midi. Merci et n'a permis d'autres pour d'autres départ. Et les autres membres, you're not so lucky, nous avons resté pour un autre item. Thank you. Oui, maintenant, nous pouvons une motion. Et ça, c'est une motion qui nous a de paper depuis la semaine passée. Et il premier dans la liste motion qui dans notre ordre de paper pour sa semaine. Et ça, c'est motion Leader of Government Business pour ratifier SADC Agreement on Assistance in Tax Matters. Alors, on a procédé avec sa motion. Honorable Georges. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nous, pour cet item travail après-midi, c'est effectivement une motion qui m'ont pu proposer qu'il lit comme suivant. In accordance with Article 64.4 of the Constitution, this Assembly resolves to ratify the SADC Agreement on Assistance in Tax Matters. Mr. Speaker, ça, c'est un agreement qui a été négocié et qui, son titre, il expliquait qui était. C'est un agreement qui peut permettre CCL de join avec bon, les autres membres SADC qui ont signé cet agreement pour offrir et recevoir l'assistance de bonnes affaires taxes.
agreement est venu devant nous pour nous ratifier l'après-midi à cause et time sensitive. Nous besoin comment un pays fait ça avant de délai le temps qui peut expirer, excuse-moi, à la fin de ce mois. Et donc, nous remercions l'Assemblée pour quitter un mercredi après une longue zone de travail pour réfléchir l'OSA agreement qui est devant nous après-midi. Étant donné que le temps est contre nous et mon connaît qui comité des affaires étrangères dans l'Assemblée nationale, AEC, qui ne pouvait pas un rapport compréhensif pour tout bon membre et qui sait grand ici qu'il est, et qu'ils ont une, dans son rapport, ils ont un détail exactement ce qui sa agreement peut proposer, qui sont bonnes implications, qui sont bonnes contenus, etc. Mon pas pour faire plus qui présente motion après-midi, et moi va invite un chair AEC, Comité des affaires étrangères dans l'Assemblée nationale, là, il prend la parole Thalet pour lui passe à travers son rapport et donne l'Assemblée un plus grand explication le contenu et qui répercussion sa agreement. Avec ça, des trois mots, Mr. Chair, I move in terms of my motion. Merci. Merci. Nous appelons pour secondement M. Aljibi, Honorable William. Merci, Mr. Speaker. Je suis content. Seconde motion pour ratification de l'agrément. Merci. Et je suis content d'intervenir. Merci, Honorable William. On va procéder avec vos interventions. Merci, Mr. Speaker. Au début, je suis content de remercier le secrétariat de l'Assemblée, spécialement le député Clark, qui, malgré nous sommes vraiment occupés, nous sommes capables de faire sortir ce rapport avant qu'il nous capable de débattre sa motion. Et avec son équipe, moi, je voudrais remercier les autres. Et aussi le comité des affaires étrangères qui aussi participe dans la discussion de l'agrément. J'explique que l'agrément SADC vis-à-vis l'assistance sur le CISE taxes, moi, non comme suivant pour dire. Premièrement, il est important de donner un petit compte rendu l'OCCL comment un membre SADC pour le public comprendre côté nous sortir et quelle direction nous peut aller à travers la ratification de l'agrément qui est devant l'Assemblée nationale. Rôle principal communauté de développement Sud-Afrique, SADC, c'est pour assurer l'intégration régionale et éliminer la pauvreté dans la région Sud-Afrique. Pour ça arriver, tout pays membre a besoin de mettre des efforts ensemble dans l'harmonie pour assurer les résultats effectifs, le problème et bonne cise commun. Monsieur le Speaker, plusieurs procédures et l'instrument légal besoin de mettre en place pour guider sa démarche, tel pareil bon protocole. Pour le public qui tend non protocole, mais pas comprend quoi, ça y a un document légal qui engage le bon pays membre, l'objectif et procédure spécifique mettez pour guider sa bonne transaction. Monsieur le Speaker, pour ça l'instrument légal vienne en force, il faudrait deux tiers pays membres ratifier. En ce moment, 14 pays qui ont ratifié, ça c'est Sud-Afrique, Botswana, Lesotho et Maurice. En tout, il y en a environ 26, et ça a fait 27, protocoles ambassadeurs. Et en mesure, dynamisme, développement, il existe les autres protocoles capables de gagner créer pour faciliter et diversifier la coopération. C'est celle qui vient membre de l'organisation régionale en septembre 1997. C'est celle qui sortit comme un membre en 2004 à cause. C'est celle qui peut payer l'argent, mais seulement pas qui peut bénéficier assez. Ce gouvernement qui prend la décision pour retirer son membership. En 2008, avec le développement dynamique, c'est nécessaire pour ces celles un groupement pour faciliter son démarche en travers à tracter l'investissement direct et facilite plus commerce libre. Un exemple important, c'est poser l'investissement Eden Island. Monsieur le Président Michel, le 17 août 2008,
qui signe protocole SADC, le Gender and Development, dans 28e sommet chef d'État pays membre SADC, Johannesburg, Sud-Afrique. C'est celle qui signe l'agrément le 6 États, à Maputo, Mozambique, le 18 août 2012. C'est celle qui ratifie le protocole SADC, le commerce, le 1er avril 2015, et qui aussi joint l'agrément commerce libre en mai 2015. Président Fort, il re-signe l'amendement protocole Gender et Développement le 18 août 2018, Windhoek, Namibia, pendant 38e sommet chef d'État l'Afrique. C'est celle qui ratifie le protocole SADC le 7 mai 2020. Monsieur le Speaker, présentement pour passer un petit peu en revue l'article qui guide ça l'agrément. Bon, pour commencer avec l'article 3, il adresse 6 taxes, le revenu, le capital, pour investissement, matériaux, ou soit commodité et services, mais pas le duty custom. L'article 4, il fait provision pour l'essence, l'information, en base spontanée, automatique, ou soit le demande, en particulier, si c'est relevant et si c'est taxe. L'article 5, il guette si c'est examination en dehors pays en relation avec l'efficacité, donne l'information d'un pays qui ne fait recommandation pour l'information. L'article 6, il permet plusieurs pays pour faire examination taxe d'une façon simultanée. L'article 7, il couvre l'assistance pays membres dans collection et réclamation taxe. L'article 8, il donne critères confidentialité et en secret dans l'essence de l'information entre bon pays membres. L'article 9, il couvre frais pays membres, il agrée pour enlève coût remboursement frais dans l'exécution de l'agrément. Monsieur le Speaker, l'article 10, il mandate bon pays membres pour mettre en place, poser la poser de loi qui pour faciliter l'implémentation de l'agrément, surtout pour bon qui n'a pas l'IDESA. Et dernier, l'article 11, il explique relation de l'agrément et les autres agréments internationaux en relation et coopération si les taxes gagnent voir comment complémentent l'un à l'autre. Monsieur le Speaker, il peut assurer que l'investisseur un pays, vice-versa, qui investit dans les deux pays respectifs, n'ont pas évité ou soit pas payer taxes qui méritent de payer. Il y en a business qui enregistré CCL, mais son banque compte, il gagne fait à l'étranger, son gouvernement et nous gouvernement à travers l'essence de l'information à connaître si paiement taxe peut gagner fait bien et que les deux gouvernements ont bénéficié revenu taxe approprié et que l'application ça l'agrément. Monsieur le Speaker, phénomène mondialisation au choix globalisation commerce libre et intégration nationale peut traîner que lui certaines exigences et pratiques qui nécessitent bantel l'agrément. Aujourd'hui, il gagne adopté pour faciliter le travail et collection de revenus taxes. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, le monde, à ce qui concerne le commerce libre, il divise en bonne communauté de commerce régionale ou soit bloc, tel pareil ECOWAS, SADC, ISI, COMESA, l'Union Pays Arabe, l'Union Européenne, parmi les autres. Il n'est pas drôle voir l'initiative Commission de l'Océan Indien évoluer dans la même direction à l'avenir, basée sur l'intérêt, M. le Speaker. Dans un tel environnement, ça l'exigence protection de l'intérêt national en termes de développement et commerce pour rester compétitive et soutenable, sa bonne qualité de l'agrément et protocole parmi les autres, c'est celle qui a besoin de rester dans sa zone pour ne pas gagner quitte derrière, M. le Speaker. C'est celle qui a besoin de rester relevant dans sa cercle viciée compétition globale. Dans une façon protégée, chaque pays peut envie maximiser collection de revenus et taxation. Soit au niveau domestique ou soit au niveau international, tout en bas un cadre d'investissement direct étranger, FDI, et aussi dans le domaine des services financiers et la compagnie offshore. Dans nos entretiens avec les officiers finance et commerce, nous comprenons à cause qu'il faudrait ratifier ça l'agrément, même s'il lève certains concerns tels pareil, vrai bénéfice pays, l'impact, le sens perdu revenu par l'effet qu'il n'a pas la compagnie CCLOA dans sa bande pays pour en masse taxe. De l'autre côté, l'argent pour quitter Cécile à travers taxe le revenu fait par business étranger. Possible l'effet et l'impact de l'agrément taxation doublée qui Cécile signait avec les autres pays dans le passé.
l'attitude et façon faire l'organisation coopération développement économique qui concerne critères qui servent parmi son pays même et ça qui gagne servir avec les autres pays en dehors ça sert qui m'explique. Peut-être m'a demandé à cause faire lila à cause pas espérer pour les temps et les et en a plus pays qui ratifier li. L'important c'est que c'est à cause ratification de l'agrément par Cécile pour aussi donner l'importance et pour l'image de Cécile dans les critères qui OECD servi pour mesurer et garder Cécile dans ses mêmes points bon rating sorti non-compliant pour compliant vers fully compliant qui peut avoir tant d'autres pour garder Cécile loin la liste noire, M. Speaker. Pas oublier que Cécile, tu gagnes mettre loin la liste noire en 2019 par la France et en 2020 par l'Union européenne et aussi OECD. Monsieur Speaker, nous t'y vois et gain l'expérience qui banne la banque, tu peux gagner un problème avec correspondent banking, ou soit banne la compagnie étrangère, quand tu peux gagner difficulté pour être capable de transférer autre l'argent à cause, tu as beaucoup de questions que tu peux gagner demander par sa banne l'organisation. Pas oublier aussi Monsieur Speaker qui Paris c'est loi il dit Saban l'organisation, zot pewo tout sort lipo et clante, zis pou zot garde, sauvegarde zot l'intérêt, lè ou pa azi ou soit comply. Zot azi go les bras et met sanction lo ou, si ou pa respecte, délè l'étant donné, pou faire sa ki zot in demande ou faire. Monsieur Speaker, zot pa gete ki capacité ou stricti ou anan en place pou jouer sa jouer le zot niveau. Tel pare, ramasse l'information, le transaction et l'accompagne qui même. Si enregistré kotou, mais son bon transaction compte, il y a l'étranger. Mais d'autres disent, sanctionnons-nous après certains temps qu'ils ont envoyé warning pour. Monsieur le Speaker, de l'autre côté, moi aussi concerné et que l'attitude de mon pays développé, tel par l'Union européenne, qui gagne représenté le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation commerce mondiale, groupe 5 et groupe 7, en même temps l'OECD. Un poids de mesure peut gagner implémenté. Côte s'assiser donne l'information taxe. Autres critères plus souples et pour nous, autres ou l'état anglais nous et que ça bande l'obligation qui mettent s'assiser souverain en vraie question les quelque chose il gagne imposé sans qu'il espace policier un gouvernement il gagne respecté. Monsieur le Speaker, le SAD base comité des affaires étrangères l'Assemblée nationale il demande gouvernement à travers son bande différentes agences concernées tel pareil ministère Finance, l'Industrie, Commerce et l'Investissement, dans des efforts collectifs pour servir toutes sortes de pause possible pour la justice, c'est celle affiliée avec une structure régionale et multilatérale et puis participe bien. C'est celle alors, il faudrait continuer à pousser dans un bon forum international tel Paris, Afrique Unie, Afrique Caraïbe et Pacifique et dans l'Alliance Petit État Zil, Paris COI, au soir et au 6 parmi les autres. Nous pas doute compétence nous bande négociateur local. Mais s'il faut des héros d'experts étrangers indépendants pour guider nous, c'est considéré. Nous aussi demander que tout sa bande diplomate résidentiel étranger Cécile et bande qui non résident mais accrédité Cécile, nous comprenons sa démarche et surtout sa gros l'injustice pour aider nous dans sa démarche pour gros de la justice. Monsieur le Speaker, nous aussi contre la démarche pour actif ministère des Affaires étrangères et tourisme. Pour continuer à pousser à travers l'ambassade Cécile dehors et inclure nos consulaires honoraires à l'étranger. Monsieur le Speaker, quant au comité des affaires étrangères, nous pouvons aussi attirer l'attention de l'organisation parlementaire internationale et régionale pour entourer, pour pousser à l'agenda dans tout forum international possible. En conclusion, par exemple, de l'introduction, nous n'avons pas soif, Monsieur le Speaker, mais pour sauver nous l'image, et pardonne l'espace pour autres, mettez-nous loin la liste noire en addition. Cécile pas capable d'amener personne devant la Cour criminelle internationale pour plusieurs raisons qui nous connaît. Mon pour apporte mon support pour Cécile qui nous bande dirigeants professionnels et négociateurs, je dois de guidance bon Dieu et prudence, la sagesse, compréhension et discernement de sa démarche. Que la grâce et faveur bon Dieu reste le nous. Et qui nous reste sa pays, toujours béni, toute la gloire pour Jésus, M. le Speaker. Merci. Merci. Merci, Honorable William. Intervention, bonne membre, Honorable Cosgrove.
Bon après-midi, Monsieur le Speaker. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, mon quoi, l'intervenant avant moi, il donnait bon content de dire la discussion que nous avons avec les officiers du gouvernement qui viennent devant le comité des affaires étrangères la semaine passée, la semaine passée. Mais tout de même, mon quoi, comment un membre du comité, il apporte pour moi aussi, apporte une petite contribution, l'OSA motion. SASADEC Agreement on Assistance in Tax Matters. En effet, moi, j'ai des petits points, je vais faire sortir juste pour pinpoint un petit peu le qui vraiment ça l'agrément y about et qui m'a aidé pour bénéficier de celle. Mon premier point qui m'a aidé à faire sortir, c'est que ça l'agrément il pour amène certains bénéfice ou soit l'avantage pour nos tax authorities, si c'est celle qui est ça aussi. En effet, si c'est celle qui ratifie l'agrément, elle nous ratifie l'agrément, c'est celle ou est ça aussi pour capable en masse les formations taxes dans les différents pays SADEC, dans les différents compagnons, peut-être c'est celle qui opère dehors ou soit vice versa, soit ça aussi pour aller dans plus bonnes possibilités. Pour les capables de coopérer avec ben les autres, l'agence taxe ou l'organisation taxe, ça ben pays SADEC, qu'ils aient capable exchange ben tax information et faire ce qui c'est il y a mas tout ça qui pour c'est il ouais va côté été dans n'importe qui juridiction pays. So un ben premier l'avantage qui ça l'agrément pour mener. C'est sa habilité pour SAC capable de gagner un petit peu plus de contrôle dans les affaires de tax matters, même qui arrivent dehors, c'est celle. Et ça, moi, quoi, par exemple, dit, pour l'avantage pour SAC. Deuxième qui est important aussi noter, il s'est cisé blacklisting. Honorable William, il cause un petit peu de ces affaires blacklisting, il cause un peu de globalisation et qui m'a dit ben gogo puissance pouvoir il sert les autres muscles par nous dire pour autres exerce le bon petit pays pareil c'est celle et qui parfois souvent fois nous des situations pour nous besoin comply otherwise nous avons des difficultés. So une cause là nous cause le OECD nous cause l'Union européenne qui met nous des situations ou qui place nous des situations pour c'est celle nous avons besoin comply. Nous besoin faire ce qui nous monsieur moment ça va corriger honorable William avec OECD nous pas chez les compliant de place qui non compliant so nous pas chez les non compliant et il y avait pourtant qui avec ratification ça agrément qui devant nous il y avait beau Cécile mettre sur un plus bon standing pour Cécile avant ce qu'on est pas dans son rating pour living plus compliant sur so, ça l'agrément aujourd'hui si nous accepter lui il pour aider qu'il est OECD ou même l'Union européenne, il fait autre bonne review, il fait autre rating. C'est il va capable peut-être bouger l'autre palo en termes son compliance avec sa de l'organisation. À cause qui est arrivé, l'air qui c'est il joint sa groupe, ça l'agrément, il a fait qui plus tax information il capable échanger et il y avait plus l'information taxe dans différents la compagnie qui peut opérer dans différents pays et qui fait ça dans l'organisation beaucoup plus confortable le crédibilité le qui m'a hier gagner les formations taxes dans différents la compagnie autour le monde. So nous tenons pour rien une discussion avec ben différents officiers qui viennent devant nous et nous expliquer nous qui m'a hier ça l'agrément pour bénéficier Cécile et moment confortable aujourd'hui pour dire il est important que Cécile il ratifie ça l'agrément et qu'il pourrait bénéficier pour Cécile et moi côté un bénéfice pour Cécile côté amène l'argent bénéfice pour nos pays moi pour supporter moi pour donner moi pour demander aussi ben même nous côté pour donner un support. Merci beaucoup monsieur Speaker. Merci honorable Woodcock. Merci monsieur Speaker. Monsieur Speaker, une bonne raison principale à cause qui aujourd'hui ouvre ma prime à nous l'Assemblée pour
supporte sa motion, sa l'agrément, sa dec agreement on assistance in tax matters. C'est moi les pour improve nos standing avec OECD. On est venu avant moi dire en ce moment c'est nous pas chez les compliant et peut-être à travers si ça ça l'agrément nous ca improve nos standing peut-être why not become fully compliant. Mais si tout côté concerne la transparence de bon issue tax de tax matters et les licences d'information le tax. Mais en même temps, dans nos discussions dans le comité AISI, c'est un des concerns qui sont soulevés. Peut-être il y a un moment pour nous aussi lever ce bon concern qui peut-être le leader des affaires gouvernement est capable peut-être donner un peu plus de détails, un peu plus de temps. Surtout, ça y côté concerne double taxation. Et il y a un bon pays. Il est capable de payer, même plus que des pays, deux ou trois pays, qui signent un double taxation avoidance agreement. Et ça, il peut faire qu'il peut payer un investisseur, un business, un compagnie qui peut investir dans le pays, pour lui payer taxes dans sa pays en même temps, payer même taxes dans notre pays, qui paye taxes des fois. Et ça, il concerne qui peut être un investisseur, car on a cause. Aujourd'hui, dans la situation que nous avons aujourd'hui, as much as possible, dans la situation COVID, il est important pour nous encourager plus FDI, Foreign Direct Investment, pour investir dans le business, dans la compagnie à l'étranger, pour investir dans le peut-être qu'il est capable d'avoir une compagnie qui peut investir dans le qui, je sens que c'est une protection, qui, je peux payer des taxes ici, je peux payer des business ici, je peux faire un gros investment ici, je peux payer des taxes avec le gouvernement CCL, et peut-être que tu as senti pour dire avec un tel agrément, je peux avoir une force dans la main pour aussi payer même taxes que je peux payer CC dans d'autres pays qui ne peuvent affecter les autres business. Et peut-être que ça va être un deterrent qui peut décourager deterrent qui peut décourager un investisseur, un business à l'étranger pour venir investir CC qui peut-être faire nous perdre un peu de revenus. Oui, je connais aujourd'hui, nous pouvons suivre plusieurs, nous suivons plusieurs agréments pour payer anti-money laundering. Pour nous faire ici qui nous compliance avec OECD, mais en même temps aussi peut-être dans ça l'aspect qui concerne, qui en effet, il y en a des bons business qui nous fait sortir, les sabans d'agrément qui nous peut signer, qui pas nécessairement 100% bénéficier nos pays, mais c'est ma cause, les pays européens, ils ont fait gros libres avec nous, ça qu'ils ont dit nous faire, nous besoin faire, et si nous pas faire, ou à nous gagner blacklist, nous à nous faire face avec différentes bonnes conséquences, qu'elle est peut-être il pas mérité. Alors peut-être le sacrifice double taxation qui peut-être nos gouvernements pour faire pour nous empêcher comme si nous pas envie de mais quand nous perdit bon investisseur vinse c'est le soir banque qui désassé ses ou décourager je t'a investi dans l'autre pays. Alors peut-être elle dit un petit peu l'explication là avec ça des mots en mode merci monsieur speaker. Merci honorable Aglaé. Merci Mr. Speaker. Bon après-midi. Tout le monde est toujours à l'écoute. Mr. Speaker, ça a été qui devant nous là, il y a un qui est important et il passe ça pour bénéficier de Cécile, côté concerne licence d'information et taxes, mais aussi il peine sa vision, sa portrait, côté concerne the economic empowerment of Africa. Et tout récemment, nous avons aussi ratifié l'agrément pour African Free Trade Area. Et tout ça, bon protocole, il peut découler ensemble pour capable d'amener cette harmonisation. Il y en a encore dans les autres traités qui concernent taxes, qui peut-être nous pouvons besoin nous peut faire face avec, pour nous ratifier aussi. Tout en prenant compte pour amener ça dans l'encadrement pour capable d'achever ça l'objectif, c'est qui développe l'Afrique, développement l'Afrique économiquement. Paris, ben pays ouest, l'Europe, zotin en an ban tel l'agrément Paris entre les autres Paris dans EU bloc là-bas. Et pour nous, nous sommes en retard pour le côté l'Afrique pour ben différents raisons. Paris nous connaît, nous gagnons l'Afrique qui est ravagée par beaucoup ben fléau, la guerre sociale, maladie lui-même. Et aujourd'hui, quelque chose peut changer. Nous peut bouger. Et aujourd'hui, nous pouvons nous permettre nous en ligne avec ben normes qui ban pays ouas aussi pe mezot avec et qui déjà pe pratiquer
Et ça, l'agrément lui-même, il y a un qui promène bonne plus, bonne l'expertise et il promène aussi bonne bénéfice. Et attends, c'est que ça l'agrément aussi, il y en a un MOU qui me connaît, qui a signé par CCL même, avec Saliris 14 pays qui d'un niveau SADEC. Et là-dedans, il y a une différentes discussions importantes qui ont mis devant, une différentes articles. Et un ben article important qui m'a dit comme on savait que les monde passe sur ce document, c'est création sa SADEC tax database qui a fait qui dès qui nous peut ratifier ça, nous porter là-dedans, nous aussi nous pour besoin forme par sa database avec sa 14 pays pour nous capable faire ben l'essence les formations, ça veut dire tout quelque chose si on a permission pour accéder sa database ou pouvoir tout ben l'information l'essence tax. Sa bonne pays, bon compagnie, et si bon quelque chose puis bien, si bien c'est bien. Et aussi là-dedans, il fait mention l'article 3 pour un an bonne facilité pour training, capacity building, par nous connaît. Il est important qui nous bonne tax officers, nous bonne tax l'organisation tax ici, mais c'est lié ça aussi. Autres rester à jour avec bon développement qui en a de taxation à cause il y a quelque chose qui continue à évoluer. Et là-dedans, nous aussi, nous avons gagné un technical support. Pareil, nous avons gagné auparavant nos systèmes taxes de santé sans e pour sortir l'OF formule, pour aller à l'autre formule, malgré que ça n'a certains échoues. Mais seulement, nous avons gagné l'assistance nécessaire. Et aussi, il fait mention aussi, pendant l'application avec le traitement. Pareil, si aujourd'hui, nous avons une pandémie, nous, hier, ministère des Finances, si là, si peut faire mettre devant nous c'est un amendement dans la loi pour un période côté bonne defaulters dans taxe il capable venir pour une période pour payer taxe avec certaines réductions. So il crée aussi il fait mention bon incentives qui est gouvernement capable mettre devant dans différentes circonstances l'économie qui autres pays ou soit région il capable faire face avec de l'un à l'autre. Et ça y amène un balance dans l'économie lui-même. Li. Et aussi, il crée aussi ben, l'espace discussion négociée dans le niveau SADEC aussi. Là, nous pouvons créer une politique quand il compte une taxe. À cause parfois, nous avons besoin de regarder région. Et s'il arrive demain, il peut arriver, qu'il est nous entrer dans sa African Future Area, commerce, il boum, par nous dit, c'est ces lois puis entrer dans région PP trade et nous pouvoir pour dire nous pour notifier ou soit pour rev ban red flag aussi si nous senti nous pas venir assez compétitif côté concerne nous taxes ou soit si nous policy ou soit nous régulation défavorable contraire avec nous ban les autres pays dans nos régions. So tout ça là il amène ban négociation il est nous ban dirigeant si tout nous ban dirigeant le niveau gouvernement président. Ils ont avec ça ça d'examen tous les deux fois de l'année. Ils ont une discussion aussi qui est capable d'affronter et basé sur un rapport qui sorti au niveau il pour indiquer si CCLP fait bien côté CCLP mal fait même si nous peut cause l'OECD mais seulement au niveau SADEC aussi ils ont un rating bas qu'ils ont pour dire si ça pays il y en a certaines difficultés. So et aussi là-dedans il fait bonne mention ben différents coopération contre ban différents taxes qui concernent qui pousser à harmoniser en ban areas mon quoi qui cause beaucoup le saimoyo c'est par exemple côté concerne taxation par excise tax duties par l'alcool le ban produit fuel il cause aussi le cigarette tabac il cause aussi le ban quelque chose qui délix et aussi ban les autres produits qui est pourtant moi quoi qui nous servit presque loin base qui tous les jours. So Mr. Speaker, moi quoi il est vraiment important pour nous pas get nous cesser comment nous un petit restriction côté concerne taxe. Mais aussi nous besoin copain nous si tous les nous n'entrer pas le système VAT code lui-même lui en bas sa protocole, il y en a bonne mention qui m'ayer nous capable peut-être harmoniser un peu, quoi qu'il nous fait à l'entrée, pour nous capables de mettre nous à jour. Mais seulement, moi, pour moi, il y a certaines difficultés à cause de l'homme qui a protocole lui-même, quand il y a dans 4 pays, et c'est l'affaire 5e là, qui a ratifié ça.
Il y en a certains concernent l'eau sassisée. Et moi, moi, là, nous t'y dans meeting, moi t'y mets devant avec panel pour bonne raison qui bonne pays aussi, il y a d'autres difficultés pour d'autres rectifier. Un bon facteur, il dominance l'économie par bonne gros l'accompagné multinational, mon capadi de sa bonne pays. Quand les autres entrées, autres in établi autres bien et autres pays domine l'économie sa pays. Même si autres contribuent dans le développement sa pays. Ils ont fait beaucoup aider avec l'infrastructure, mais parfois, il y en a certains concernent défaillance à cause, ils n'ont pas les déclats ou quelque chose. Et ça, il fait qu'ils ont mis des pressions sur le gouvernement lui-même pour dire ben telle participation de l'agrément pareil à cause pour autres, ils défavorisent les autres ou soit les autres risquent de perdre certains l'argent. Mais ça n'est pas pour qu'on pas continuer, il y a besoin d'un certain sens qui arrive graduellement pour faire qui, oui, nous avons besoin d'un investisseur, d'un FDI, il va venir, il va participer, il va gagner un taux de taxe de sa pays. Et là, si vous avez besoin dire quelque chose dans votre avantage, vous avez besoin soit d'entrer ou soit de décider de sortir. Donc, il y a une réflexion qui nous besoin de faire parfois, là où dans la vulnérabilité, comme un pays économiquement. Mais pas ça aussi qui fait vous aller pour vous accepter dans les termes et conditions qui vous sont posées devant vous. Donc, so, Mr. Speaker, au niveau région, au niveau SADC, je crois qu'il y a beaucoup quelque chose qui est important qui peut faire pour nous capables de vivre ça économique empowerment qui nous envie l'Afrique et venir. Et moi aussi, je suis d'accord que ça a traité, il a ratifié et nous avons besoin de continuer. Mais ce qui est important pour nous, c'est que SRC, avec Trade, département Trade, nous avons besoin de saisir l'opportunité aussi pour nous capables, en plus, nous avons travailler qui dans ce domaine, pour nous aussi développer les autres expertises. Nous avons certains manquements. Par exemple, le côté conseil de taxes, nous avons besoin d'un bon forensic pour venir travailler avec nous. Nous ne pouvons pas cesser de répéter comme ça, pour capable. Nous tout nous causer parfois, nous dit tel ou tel l'accompagnant pas payer taxes, tel ou tel pas faire son contribution, mais parfois pour gagner les formations, il y a un travail assez compréhensible pour entrer là-dedans et nous besoin d'un expert pour nous capable faire ça. Et le gouvernement a besoin at least saisir ça l'opportunité pour nous gagner bonne l'aide à ambassade lui-même, en bas aussi dit pour nous prendre nous ces lois. Amen autres faire un training, aller à l'eau des degrés pour être capable, at least, guide pays lui-même, guide ministère des Finances, côté conseil de taxation, et harmonise nous, côté nous devons harmoniser pour faire nous rester relevant. Et avec ça, Mr. Speaker, je vous dis merci pour donner la parole. Merci. Merci. Honorable Bistoke. Merci, M. le Speaker. Bon après-midi, M. le Speaker. Bon après-midi, Tonouab. Malgré que la plupart point mon soulevé dans sa discussion, alors, sans bref, moi, ça passe le ND qui m'a senti, qui peut-être pas un gagne soulevé. Mon pour supporter sa motion, qui gagne amené devant nous, à cause de mon croyant pour bénéficier celle. Premièrement, ça a MOU. Tu as signé par 13 membres de la région SADC. Tu as signé le 8 août 2002 en Pretoria. Signé pour ça l'agrément lui-même, tu as agréé et tu as signé Maputo, Mozambique. Et c'est celle que tu as signé par l'ambassadeur Claude Morel, ça l'étant. Et à cause de sa signature, à cause de Céline signée, c'est à cause du sentir qu'il a mené quand c'était bénéfice par les autres membres indir. Mais c'est mon pour tous le ND, surtout N, pour mon membre régional de SADC, et pour organiser, et pour harmoniser bonne stratégie, bonne la loi, qui pour gagner drafter, ou qui pour gagner proposer, qui pour gagner développer dans sa région, côté concerne data, c'est plus ou moins pour taxes. Et ici, c'est le pari nous dit, nous quand dit à l'air, nous capables de créer un database pour tout bon data de la région, qui nous capables après harmoniser bon rapport qui pour gagner en main ensemble
pour guetter qui bonne indicateur qui dans pays SADC niveau nous était. Deuxièmement, il prend un développement ressources humaines, surtout développement ressources humaines dans taxe, surtout quand il concerne policy, développement policy et aussi l'administration revenu parce que nous connaissons ça pour bénéficier plus ou moins ministère finance. Et aussi pendant l'application pour tout bon traitement quand il concerne bon incentives ça qui prend en la pose surtout il prend la pose assez bon pour celle-ci tout côté concerne taxe et l'autre quelque chose qui mon quoi tout pays en an, et surtout qui nous pays l'Afrique surtout pays SADC qui nous un petit peu hésitant avec c'est bon traité on a des fois nous si bon traité après nous pas capable harmoniser ou soit nous pas faire bon follow-up et mon quoi ça l'agrément sa motion ça l'agrément il pour faire si qui prend la pose commun surtout dans tout pays SADC dans la région pour faire ce qui bon traité qui gagne signé il gagne mettre en application par nous dit il gagne en même temps qui chaque pays capable faire dans son façon pour lui mais il met lui dans son contexte son pays après mon quoi honorable une cause de tax indirect surtout bon tax côté concerne excise tax qui nous capable en an et mettre en application surtout dans région pour excise tax par ici si nous connaît transport tabac cigarette et les autres encore et pour nous encore plus important c'est pour Cécile c'est un protocole pour finance qui y a maintenant ça bon l'harmonisation si tout côté concerne l'investissement si tout là nous peut sortir dans le nouveau normal avec Covid nous besoin investir nous besoin faire ce qui nous l'économie il changer il qui dans nos pays l'Afrique nous tendez pour dire on a bon différents agréments qui nous faut besoin faire fort avec pendant surtout bonne jolie compétition entre pays l'océan Indien avec pays l'Afrique et mon quoi ça l'agrément il faut capable aider Cécile aussi pour faire ce qui malgré nous un petit pays nous, small island states ça l'agrément il va aider nous avec nos bons confrères conseils dans la région et surtout quand il concerne bon traité qui sa région ça des insignes que nous Cécile nous capable bénéficier merci monsieur le speaker merci honorable honorable Georges, on va inviter vous à faire un summing up. Oui, allez, excusez-moi, je passe honorable Billet avant. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, moi, je ne vais pas faire un débat sur ça. Traité. Mais c'est maintenant des points qui m'ont les mouvements motion qui prend en considération en relation avec indirect taxes, spécifiquement pour nous, quand il concerne nous, on regarde quelque chose qui concerne nous spécifiquement. Par exemple, si nous prenons l'alcoolic beverages, nous prenons qu'il y a une compagnie qui peut move towards export. Il peut grandir. Et probablement, continent, sa région, pour une bonne région, côte, il prend un an l'exportation, il prend un an l'expansion. Ce qui me concerne avec, c'est assurer qu'il est un compagnon ici peut exporter. Régime taxe sa bonne pays par vine d'une façon qui. Et affecter sa expansion, bien affecter l'habilité d'une compagnie locale pour vous entrer dans ce bon marché. Et ça cause nous avons un différent taxe, un taxe qui est différent avec vous autres. Ça y est, un point que je suis content, honorable Josie, clarifier. Après, deuxièmement, en ce qui concerne, par exemple, nous avons International Trade Zones. Nous avons l'endroit où nous faisons un taux préférentiel pour un business, faire une activité. Est-ce que l'air nous peut cause, nous n'avons pas un. Tout préférentiel, la cause qui est arrivée, nous peut sortir dans un problème, dans une situation contre une pandémie, nous. Hein? Et nous besoin que nous l'économie kickstart, il répond. Avant sa pandémie, personnellement, moi, je peux causer différents langages. Le gaz qui, moi, je peux causer avant sa pandémie, c'était qui International Trade Zones, on doit nous favorise l'investissement, il y a quelque chose que nous besoin d'ouvrir avec, à cause nous besoin que tout le monde vive en conformité. Avec le régime légal, le régime taxe que nous appliquons. Mais tout le temps, l'histoire est ou bien quelque chose qui est arrivé dans la vie, nous pouvons comprendre la situation. Et là, on peut regarder la situation aujourd'hui, si nous pouvons sortir et nous pouvons commencer à encourager l'investissement,
Nous pouvons pas soit nous avons besoin introduire certains, mais pas cause préférentielle d'une façon négative, mais nous besoin introduire certains incentives et gouvernement qui là pour besoin faire ça. Ce nous besoin faire ici qui s'abandonne traiter d'une façon, il pas limite nos habilités pour faire. À cause otherwise, then nous pouvons avoir des situations qui mènent nous pour encourager l'investissement peut-être d'un secteur qui d'habitude nous tu pouvons adapter lui normalement et puis tu peux entrer dans le régime normal, mais là nous voyons une situation qui était. Et si tout là nous extend salarié et nous considère par exemple domaine tourisme et ça c'est accelerated depreciation par exemple qui les a existé. Et pour inévitablement, les compagnies qui sortent de la région. Par exemple, si vous regardez Beachcombe, une compagnie qui sortit Maurice. Ou pour regarder les autres compagnies qui sortent des autres endroits, qui peuvent venir cesser. Ce nous avons fait ici, qui en relation avec taxes, en relation avec les incentives que nous provide, et là qui nous paye ici sa convention, son domestication, il a besoin de prendre conscience, il a besoin de prendre référence avec côté nous payer été. L'effet qui nous peut quand même avoir la pandémie. So, peut-être si l'honorable Georges, qui me connaît, il y a aussi un juge, le commissaire, qui a besoin d'interacter avec sa bonne argument auparavant, nous besoin d'entrer et regarder from a protectionist perspective, qui va nous protéger l'investissement pour qu'il se soit capable de son économique, etc. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable Georges, et vous tous. Coming up. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi, je suis content. Oui, merci tout, bon Dieu, qui prend la parole après-midi. En effet, l'ONC est assez sec. Nous avons un débat très mouvementé. Commençant par Chairman Ayesi, qui nous donne un revue compréhensif, non seulement sa agreement, mais ensemble avec l'honorable Cosgrove, qui nous situe nous un petit peu dans un contexte assez spécial. Et vous réalisez qu'il y a dans un contexte assez spécial, là, où peut cause là, un agreement pour l'assistance dans les affaires taxes et où déborde là, le fait que nous pays, il y a un blacklist ou un grey list et il seulement partially compliant. Et c'est là que nous voyons cette tension que l'honorable leader de l'opposition fait cause de là entre essayer. Behave dans un structure démocratique régionale et quand ils mettent en bas pression par bon plus gros acteurs qui nous. Et ça, c'est un quelque chose qui l'honorable Sébastien Pillet contrôle bien depuis plusieurs années. Mon peu complète un petit peu le fait qu'à cause d'un centre financier. À cause de l'industrie offshore, nous mettons les corps à risque devant les autres contextes. Et mon c'est assez négatif, le sassisé, et ben, du monde qui est là dans la 6e Assemblée, va rappeler que mon c'est tout le temps demandé, est-ce que le cost-benefit analysis nous peut gagner plus avec le risque qui nous prend. Mais COVID montre nous qu'en effet, nous n'avons pas le choix. En effet, ça, c'est un pilier qui nous garde, nous, alive pendant 2020. Alors, la situation est très, très, très complexe. Quand, d'un côté, on peut essayer de faire au mieux pour donner l'information dans un contexte régional, pareil, ça, agreement peut demander nous. Mais, dans l'autre côté, bon, du monde peut mettre pression là-haut pour faire encore plus. Et puis, on a ce problème. Double Taxation Avoidance Agreement, qui, at some point, devant l'année 90, nous voyons aller comme un apport vers attirer l'investissement. Et puis, all of a sudden, là comme est là, Double Taxation Avoidance Agreement, il y a une very bad press, et autant du monde peut dire que possible, pas à là-dedans, pas avant si les autres là-dedans, comme un pays, à cause d'un plus de problèmes qui bénéficient. Nous ne voyons exactement ce bon problème. Et le problème, il vient à cause, Mr. Speaker, et mon papa dévoile aucun secret, nous tous nous connaissons, qu'il est, on est
un financial center, appelle-le d'une façon, d'une jolie façon. Là, on a un financial center et on peut faire la compagnie offshore, pareil, nous nous fait par autres dizaines de milliers. Ou peut acter définitivement bon du monde qui fait crime et qui a envie de placer de l'argent, ou peut acter bon du monde qui a envie de blanchir l'argent, et ou peut acter aussi, et surtout bon du monde qui a envie avoid pay taxes dans notre pays. Et nous voyons tous les jours, le CNN et les autres réseaux télévision internationale, qui bon gros l'accompagnent, Google, Apple, Amazon, etc., sont capables de choisir côté pour payer taxes, pas payer presque rien du tout, and get away with it, à cause de fort. Et finalement, nous trouvons nous les codes dans un contexte dans le service financier, quote, might is right. Il n'est pas important si vous pouvez suivre la loi, pareil, nous faire. Il n'est pas important si vous dites, avec un moyen, vous pouvez faire le mieux que possible, pareil, nous faire. Ou quand mettre en bas position, par banque un peu plus fort, pas à cause d'être intéressé avec money laundering, ça c'est hier, pas à cause d'être intéressé avec proceeds of crime, ça c'est avant hier, mais à cause d'aujourd'hui, d'être intéressé avec bon, l'accompagnement dans d'autres pays qui ne payent pas taxes là-bas, mais qui viennent payer taxes ici, ou bien qui registrent ici, ou bien devant les autres juridictions financières. Pour les autres, pas payer taxes dans d'autres pays. Et finally, il vient en question l'argent. Et c'est tout. Et nous voyons ça all over the place. Alors, mon retour, la bonne question qui l'honorable Wevel Woodcock et l'honorable leader de l'opposition ont demandé. Qui nous peut faire? What about double taxation avoidance agreements? Est-ce qu'il nous peut entrer dans plus encore ou bien est-ce qu'il nous peut entrer dans plus encore? Mon pas capable de donner une réponse. Mon croire que, for the time being, l'esprit, c'est pôler. On nous pas tailler, on nous pas entrer dans plus savon agreement. C'est ça des agreement qui nous peut ratifier aujourd'hui, les mêmes lits causent expressément l'eau s'assister. Qui nous peut faire avec une international trade zone? C'est une cause longuement, là, dans mon propre district, il y en a Shell Medical et nous connaît qui sabonne l'investissement qui nous a rodé et qui nous fait bon incentives retomber qui nous gagne, c'est quoi? Nous vendons autre un peu d'électricité, nous vendons autre un peu de l'eau et l'emploi. Essentially, c'est ça qui nous en a. Et il tient bon deal. Là, nous n'avons pas les autres moyens économiques pour nous faire l'argent. Mais est-ce qu'il est still un bon deal aujourd'hui? La réponse est simple. Et non. À cause, même OECD et que l'Union européenne disent nous que nous ne pouvons pas être capables de faire une différence entre incentivize pour attracter et producteurs locaux qui ont besoin de payer. Un pays taxe. Et nous besoin donc faire un régime qui plus ou moins équitable across the board et faire un monde qui nous donne sa bonne incentive, les autres aussi payent un certain pourcentage de taxes, pas à cause des autres contents qui nous gagnent taxes ici, mais à cause des pas contents qui les autres pas gagnent taxes là-bas. Côté tout ça, là, il y a même nous, Mr. Speaker, il y a même nous, côté beaucoup de monde, il y a même nous après-midi dans notre intervention. We don't have a choice. Finalement, les nous entrer dans un agreement parisien régional, les nous formons partie d'un groupement Paris SADC qui en a Sud Afrique, qui est plus gros moteur économique l'Afrique, ou bien dans Comessa qui en a l'Égypte, qui est plus gros moteur économique dans le Nord l'Afrique, nous implémentons l'OMBF. Nous sommes capables. Crier, nous avons fait effort, mais si nous avons envie, sans direction, nous avons besoin d'accepter qu'il nous pas capable. Et meilleur quelque chose qu'il nous capable de faire, pareil, nous peut faire là aujourd'hui, c'est join, offrir ce qu'il nous capable, essayer survive autant qu'il nous capable,
dans une situation économique assez difficile. Mon pas envie pessimiste, mon pas un dit monde pessimiste des natures, mais la réalité, c'est sa situation quand nous trouvons nous les corps là-dedans aujourd'hui. Sans gouvernement, sans l'administration, pareil dans l'administration précédente, pour besoin trouve bon moyen pour expandre nous l'économie. Nous pour besoin, nous n'avons pas aucun choix. Nous avons une population qui exigeant, économiquement nous faible à cause de COVID, nous pour besoin expandre nous l'économie. Et nous pour besoin faire élire, malheureusement, de bonnes structures régionales qui nous mettent nous les corps là-dedans. Comme ça, ça décaille aussi, etc. Et nous avons besoin de vivre avec pression qui, OECD, avec l'Union européenne, avec les autres gros puissances, pour mettre l'ONU. Mais nous connaissons qui nous sommes capables de faire. À cause de nous faire élire tout le temps, nous avons besoin de rester assez souples pour nous capables d'entrer dans l'agrément pareil sans haine, qui met un certain obligation l'ONU, mais qui aussi, pareil, l'honorable Bistoké et que Chairman IOC, nous comprend, il y en a certains retombées, nous pouvons gagner certaines quelque chose là-dedans. Alors, il passe un one-way, il passe un one-way street. Celle quelque chose nous pouvons capables faire, et ça c'est mon dernier mot après-midi, nous avons besoin d'engager avec sa bonne pays, et c'est ici maximum qui nous capable. Avec ça, des trois mots, Mr. Speaker, je vais encore une fois remercier Bandi Moun qui prend la parole et demande un support pour sa motion après-midi. Merci beaucoup. Merci. Honorable Georges, merci. Avec ça, Edouard Moun, on passe le vote de sa motion. Peut-être, je vais relire l'émotion, je crois, des affaires avant. L'émotion, honorable Georges, il lit comme ça. In accordance with Article 64.4 of the Constitution, this Assembly resolves to ratify the SADC agreement on assistance in tax matters. Mme Kierfavel, les blancs, s'il vous plaît. Merci. Il y en a Mme qui compte. Thank you. Le motion. The assembly resolves to ratify the SADC agreement on assistance in tax matters. 27 membres in vote pour, 0 vote contre et 1 abstention. Alors, sa motion est approuvée par l'Assemblée. Merci beaucoup. Avec ça, bonne membre honorable, merci beaucoup pour ça, la journée. Et nous pas besoin encore jusqu'à mercredi prochain, l'hiver. À moins que mon jeune autres dans sa désordre, dans le corridor, moi souhaite bonne qui m'ont pas besoin, bonne fête nationale mardi prochain. Et entre-temps, il faut espérer que tu as gagné bon fin de la semaine. Merci. Et nous adjournons aujourd'hui. Adjournons.